que me lloras de veras. Allez, rentrez bien. Au revoir. À bientôt. Eh ben, je sais pas comment ils font, les Benoît. Ils ont un appartement, deux voitures et une maison de campagne. Bon, petite, d'accord. Et en plus, je le sais. Les Benoît. Je gagne plus que lui. Ah, voilà les Benoît. Ont pour règle de ne jamais payer plus cher ce qu'ils peuvent payer moins cher. En ce qui concerne leur assurance auto, ils ont choisi les tarifs bleus. C'était pas très bon ce qu'on a mangé, hein. Concevoir des prix compétitifs au GAN, c'est l'énergie de tous les projets. Mais comment ils font, les Benoît? Le papier toilette Kleenex allie douceur et résistance. Parce que chaque jour est une recherche permanente de bien-être et de confort. Papier toilette Kleenex, un des petits conforts de la vie. Écoute, elle m'a juste raccompagné. Je lui offre un café et toi tu le renverses sur sa robe. C'est malin. Buffet de Friskies, votre chien c'est quelqu'un. Avec le beurre Présilège, vous redécouvrez le plaisir de ce qui est vrai, le bon goût du beurre. Il est facile à tartiner, il nous met de bonne humeur, c'est comme un peu d'air frais. Il nous rappelle notre enfance et l'odeur des vrais petits déjeuners. Et c'est bien plus tard qu'on s'aperçoit qu'il est allégé. Beurre Présilège, il est allégé, mais il faut le savoir. Confiez la beauté de vos cheveux à un expert. Nouvelle ligne de soins SunSilk, élaborée et testée avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Chérie, ça sent renfermé, non? Et si on vaporisait Brise? Brise, 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 Brise! Ça marche, chérie, ça marche! Respirez, c'est Brise! Une seule cuillère suffit. Maxwell Qualité Filtre. That I wrote the thrill of the notes to tell you how deep is my love. It came into my light. Nous aussi, quand nous imaginons une ville, quand nous construisons ses logements, ses bureaux, ses équipements, nous n'avons qu'une idée en tête: trouver la réponse la plus juste et la mieux adaptée aux besoins de chacun et à leur vie de tous les jours. Groupe SIC, l'idée juste. Pour vaincre le cancer, adressez vos dons à la Ligue nationale contre le cancer. Ligue nationale contre le cancer, boîte postale 2000, Paris 13e. Secouez-moi. Secouez-moi. Secoue-moi. Monsieur, s'il vous plaît, c'est très important. Pantachop, ça nous va bien. Je crois que j'ai oublié mon foulard. Renault 21, vous êtes décidément formidable.
monsieur, bonsoir. L'Église a-t-elle du pouvoir? A-t-elle encore des pouvoirs, peut-être au pluriel? C'est le titre que nous avons voulu donner à raison de plus ce soir après le film de Roland Joffé qui vous sera proposé dans quelques instants. Film tourné en 1985-86 et qui relate des faits qui datent du milieu du XVIIIe siècle. À cette époque-là, dans Amérique du Sud, l'Espagne et le Portugal se tentaient de se partager des territoires au détriment des Indiens Guarani et c'est une communauté jésuite qui fit les frais de cette bataille entre des pouvoirs, pouvoirs spirituels et pouvoirs temporels. Nous avons donc voulu nous interroger sur les différents pouvoirs de l'Église en matière de mœurs, sexualité, contraception, vie familiale, en matière économique et en matière politique. En matière politique, un fait divers récent, c'était au début de cette année, a peut-être attiré votre attention. C'est au Pays Basque, à Espelette, là où un curé basque a été arrêté parce qu'il avait hébergé un présumé terroriste basque espagnol. Cet abbé a refait pour nous l'itinéraire des gendarmes du GIPN qui sont venus l'arrêter et la trace de l'une des balles tirées par ce gendarme. Regardez cet extrait du reportage. À 6h du matin, le GIPN a défoncé la porte d'entrée et ensuite, les gars de la police se sont dispersés dans toute la maison. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'étais donc menotté et j'étais occupé avec les inspecteurs qui faisaient la perquisition au bureau. Au retour, qu'est-ce que j'ai constaté? Parce que j'avais appris par le compte rendu de la perquisition qu'une balle était partie au second étage. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Ici, au second étage, une balle est partie d'ici, une balle à caoutchouc, d'après le rapport, a traversé l'armoire, est venue ensuite ici, et donc ici a traversé, voici le trou sur le rideau, a traversé le carreau, et nous remarquons qu'il y a deux impacts sur le volet. Voilà cet extrait du reportage que nous proposerons tout à l'heure après le film de Roland Joffé et toutes les questions qui en découlent sur le rôle de l'Église en matière politique, sur son rôle en matière économique, je vous le disais, sur son rôle en matière de mœurs. Sur ce plateau, je recevrai non seulement le père Madeleine, qui est supérieur des jésuites, d'autres prêtres qui sont engagés dans la vie sociale, notamment un syndicaliste, des femmes qui se plaignent peut-être du rôle des femmes tel qu'il est réservé par l'Église et aussi des différents dogmes du pape concernant la contraception et la sexualité. Juste après, donc, ce film de Roland Joffé, Mission, avec Robert De Niro et Jeremy Irons, qui nous replonge dans un univers particulièrement conflictuel, particulièrement sanglant. Le film fait un petit peu plus de 2 heures, mais après, toutes les questions que nous nous poserons sur ce plateau donneront une raison de plus pour se retrouver. Dans un peu plus de 2 heures, donc.